Bonsoir, balançoire japonais. Tu m'écoutes, balançoire? Bonsoir, Swimwilly. Bonsoir, Karim Ngoné. Bonsoir. Oh non, c'est pas le deuil qui moi, Gimba. C'est pas le deuil. J'ai créé ce compte just few minutes ago. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire une vidéo. Bonsoir, Karine. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire une vidéo contre. En fait, j'aimerais m'exprimer. À propos de compresseur, Swim, j'aimerais faire une vidéo, s'il te plaît. Ne me fais pas rire. Tu peux inviter les autres, s'il te plaît. S'il n'y a pas de direct en ce moment, j'aimerais bien m'exprimer. J'aimerais dire mon ras-le-bol, quoi. Karine, je viens de créer ce compte juste pour m'exprimer, tu vois, parce que j'arrive pas à faire de vidéos. J'essaie de faire de longues vidéos depuis pour envoyer à Congo Sabar, mais j'arrive pas. Alors, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé, en fait. Vous allez bien, j'espère. Anyway, je pense que je vais faire commencer et puis on va enregistrer et j'espère que ça pourra arriver chez Congo Sabar pour que Compressor et tout le reste écoute ce que j'ai à dire. En fait, voilà, comme je dis, mon prénom c'est Françoise. Je m'appelle Françoise. Et je suis une ancienne de la team Compressor. Oui, je suis ancienne, j'ai décidé de. Je suis plus d'accord, en fait. Ok, virus en ligne. Virus en direct. Ah ben c'est pas grave, balançoire, tu sais, je veux juste m'exprimer et puis passer à autre chose, tu vois. Je suis très busy, les enfants, heureusement, dorment. Donc voilà quoi, je veux faire ça. Ça va rester en direct, ça va rester en ligne et puis on pourra envoyer ça. Tu vois, j'ai essayé, comme je disais tout à l'heure, j'ai essayé de faire une vidéo, une longue vidéo, mais j'ai pas pu. Voilà. C'est pas important, Zach. Bref. Je m'adresse à Compressor et puis je vais toucher un peu les stars de Facebook là, mais plus particulièrement à Compressor. Compressor, tu sais quoi? Dis donc. Ok, là c'est revenu. I'm sorry, hein? C'est revenu là. Voilà, Compressor, je suis une ancienne, comme je disais, je suis une ancienne de ta team. Sincèrement, il y a tellement de choses qui me passent par la gorge, mais je me disais, ok. Ça va se gérer entre eux. Mais voilà, il faut que je m'exprime. Parce que là, ça va loin. J'ai vu les menaces que vous avez faites à la dame, là, Cathy FME. Vraiment, ça en est de trop. Compressor, j'ai été dans ta team.
jusqu'à très peu, je suis sortie de ton groupe, comment on appelle ça, de ton groupe, du groupe Messenger, parce que la sorcellerie était exagérée là-bas. La sorcellerie était exagérée dans ce groupe. Ça, je vous le dis. La sorcellerie était exagérée au point où j'ai dit non, je ne peux pas rester ici parce que si je reste ici et qu'un con tombe, je serai comme je sais pas, comme une coupable en fait. Compresseur, vraiment, je ne savais pas que je pouvais le dire un jour. Tu es une sorcière. Oui, tu es une sorcière. Ta haine pour cette fille de Flore est tellement grave, est tellement exagérée que tu ne te rends même pas compte. Tu ne te rends même pas compte que là, tu vas loin. Tu ne te rends pas compte. Je commence. Non, mais attends. Tu es arrivé sur Facebook en 2015. Pour cette fille de Flore. Tu as rêvé, en fait. Tu as rêvé à un moment prendre sa place sur la toile. Tu as rêvé prendre sa place sur la toile. Au début, j'étais avec toi. Je me disais, OK, Flore, elle exagère, elle parle trop, elle parle si, elle dit des choses qu'il ne faut pas, patati patata. Mais là, toi-même, tu t'es perdu dans ton combat, le combat, comme tu dis. Tu t'es perdu. Ta haine pour cette fille t'a aveuglé, en fait. Ça t'a aveuglé. Les promesses de bastonnade, que Dieu me pardonne, j'ai cautionné. Les promesses de mort, que Dieu me pardonne, j'ai cautionné. Même comme j'étais parmi ceux qui disaient en commentaire, non, calme-toi, fais ceci, fais cela. Mais j'ai cautionné. OK? Maintenant, la goutte d'eau qui déborde le vase, c'est le fait que vous menacez cette fille de Cathy FMI, au point de promettre la mort. Je vais te dire, tu es responsable parce que tu es tellement molle. Je ne vais pas dire molle, en fait. Tu es une pauvre fille. Tu vis tellement aux dépens des miettes. Tu vis tellement aux dépens de ce que X ou Y peut te donner que voilà, tu es incapable d'ouvrir la bouche et dire stop quand il faut dire stop. Tu es incapable de le faire. Tu ne peux pas copier le bon exemple de Flore. Tu peux seulement t'asseoir, insulter quand elle fait une erreur ou alors même quand elle ne fait pas. Tu peux t'asseoir, insulter, insulter, insulter. Oh là là. Mais regarde un peu dans son groupe là. Il y a l'ambiance, les comédies, les gens rient, les gens s'amusent. Moi-même, je ne vais pas te mentir. J'ai ri à ses vidéos plusieurs fois. Même si en commentaire, je viens faire semblant, je l'insulte, je l'insulte. C'est comme on dit, on suit le vent, on suit la masse. Je l'insulte, je l'insulte. Mais au fond de moi, je me dis, oh, attention. J'insulte cette dame pourquoi en fait? D'accord. Au début, elle a commencé faire ci, faire ça. Mais à la limite, elle se défendait. Elle se défendait. Quand je prends du recul, je me rends compte que c'est nous les méchantes personnes. Cette fille est tellement pure. Cette fille est tellement pure. Cette fille est tellement. Elle est comme elle est. Elle a sa vie privée qui est tordue, comme les nôtres. Nous ne sommes pas des saints. Mais attends, elle n'est pas le diable quand même. Elle n'est pas le diable. Donc je viens ici, compresseur, pour témoigner, pour dire aux gens que j'ai été dans le groupe WhatsApp et en juin de ce mois, justement, juin, oui, avant que compresseur ne parte au pays, j'ai réussi à intégrer le groupe Messenger du camp pédagogiste. Le plan, en fait, était quoi? C'est que je sois l'infiltré. Mais j'ai eu honte. J'ai eu honte de moi. J'ai eu honte de moi parce que, mais j'ai fait presque 2 mois parce qu'elles m'ont retiré quelques jours. Ça fait peut-être 1 mois parce que je ne participais pas. J'ai eu honte parce que je n'ai rien eu à transférer à mon groupe. Vous savez pourquoi je n'ai rien eu? Savez pourquoi je n'ai rien eu? Parce que ce groupe, il reflète tellement Flore. Même comme Flore n'est pas dans ce groupe, je dis ce groupe reflète tellement Flore. Ça veut dire quoi?
Ce groupe est ambiancé, il y a des fous rires, il y a des engueulades, elles s'arrangent entre elles. Une vient poser ses problèmes de couple, l'autre pose ses problèmes de jansan, l'autre pose ses problèmes de peau, l'autre fait ci, l'autre fait ça. Winnie Mandela, mon nom c'est Françoise, une ancienne de la team PDGiste, une ancienne de la team Compresso Amine. Je viens d'ouvrir ce compte, je viens de créer ce compte juste pour répondre à Compresso, juste pour lui répondre, pour parler en fait, pour dire mon ras-le-bol. J'en ai marre. Mon nom, c'est Françoise. Voilà. Je suis une ancienne de la team Compresso et je m'exprime aujourd'hui parce que c'est trop. J'ai décidé de me taire un temps, de regarder juste faire. Quand je suis sortie de leur groupe de sorcellerie, bon, je vais pas m'emballer. Je dis, j'ai intégré la team PDGiste au mois de juin, hier. J'étais un peu comme, comment on dit ça? En fait, j'étais là pour espionner tout ce qui va se dire et puis je rapporte dans mon groupe. Mais j'ai eu honte parce que je n'ai rien eu à transférer dans mon groupe. Vous savez pourquoi je n'ai rien eu? Parce qu'il n'y avait rien de méchant dans ce groupe. Ces filles sont folles comme Flore. Pas méchamment, je veux dire. Elles s'amusent dans ce groupe. En fait, Flore n'est même pas en contact avec ces gens. Ces gens, pour parler à Flore, passent par le communicateur, passent par Marie Larose, passent par celle qui est au Canada, là, passent par Mini, machin, pour parler à Flore. Juste déjà la différence avec mon clan Compresso. Compresso, elle est dans tout. Elle cause avec les... C'est-à-dire, n'importe quel faux profil a son mot à dire. N'importe quel faux profil peut mettre son venin. N'importe quel faux profil vient sur la, donne des ordres à Compresor. Par contre, quand je suis dans le groupe de Compresor, maintenant un peu, j'ai fui. J'ai dit non, il faut que je parte d'ici avant qu'un corps ne tombe. Je ne veux pas. Mais vous vous rendez compte? Certaines allaient même jusqu'à. Je ne vais pas dire certaines. La maman qui appelle tout le temps chez Compresor. Oh ma fille, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. C'est une sorcière. Elle priait pour qu'on trouve Flore morte. Elle priait, elle versait les larmes, elle pleurait même. Dans ses prières, elle dit, elle prie qu'on trouve Flore morte un matin. Vous voyez jusqu'où est-ce qu'elles vont? Il y a une autre qui fait des plans jusqu'à parler de poignarder. Comment est-ce qu'elle va faire ci? Elle monte des coups, comment est-ce qu'elle va poignarder un Flore? Que Dieu me pardonne, j'ai assisté à ça. Il y a une autre qui va jusqu'à haïr sa meilleure amie, son amie d'enfance, sa meilleure amie, parce que son amie aime Flore et qu'elle, elle aime un compresseur. Elle va se séparer de sa meilleure amie. Vous voyez jusqu'où la haine peut se faire. Je suis désolée. Moi, je suis de la... Bon, je ne vais pas dire je suis... J'étais de la team compresseur. Ma soeur jumelle n'aime pas compresseur. Mais préfère plutôt, ne préfère pas, mais préfère PDGiste tout simplement à cause de la rose. Elle a commencé à aimer la rose et puis elle a dit, ok, voilà. Elle a dit, ok, je tolère Flore. Elle tolère Flore, mais elle préfère la rose. Voilà comment on était, on est deux. On est jumelles, mais elle n'aime pas ma personne et moi, je n'aime pas l'autre. Je n'aimais pas. Mais je me suis rendu compte que non, là je mélange un peu tout avec du recul. Je me rends compte que, bref, il y a Panthère du dé qui dit, tu n'es pas crédible, ma soeur. Oh, Panthère, c'est pas grave. C'est pas grave, Panthère. Je ne fais du mal à personne. Je libère mon cœur, c'est tout. Donc, crédible ou pas, voilà quoi, c'est pas grave. Bref, je dis ceci. Quand j'étais dans la team compresseur, dans le messenger, dans le groupe, tellement de sorcellerie, tellement de méchanceté. En fait, il n'y a pas une heure là-bas où les gens s'amusent, où les gens rient. Il n'y a pas une heure là-bas où il y a divertissement. Là-bas, ce n'est que insultes, Flore, Marie-Larose, X, Y, promettre ci, promettre ça, promettre ci, toujours des méchancetés. En fait, j'ai dit ok. Je pense qu'il est temps que je quitte d'ici avant que un corps ne tombe. Maintenant, compresseur, je vais te parler. Sincèrement, je te le dis. Il faut que tu saches une chose.
Les personnes qui te suivent, les personnes qui sont avec toi parce qu'ils ont vu en toi une fille qui peut détruire Flore. Les personnes qui sont avec toi, je répète, sont avec toi parce qu'ils ont vu en toi une fille qui peut détruire Flore ou bien qui a la volonté de détruire Flore. Par contre, les personnes qui aiment Flore, qui sont nombreux d'ailleurs, sont avec Flore parce qu'elle est Flore. Parce qu'elle est qui elle est. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'es personne. Il faut que je te dise sincèrement. Tu te rappelles un jour, Virulis a fait la vidéo, elle a dit, enfin je peux danser cette chanson librement, plus en cachette. Je te dis, sincèrement, moi-même, même quand en commentaire j'insulte Flore, j'insulte voilà, Mini, tous ces gens-là, quand je suis chez moi, je n'ai jamais mis ton son parce qu'il est nul à chier, il est bête, il est plein de haine, comme toujours. Ça te représente en fait. Ce son te représente. Ok? Ce son te représente. Le son de Marie Larose, chez moi, même si je l'insulte en commentaire, je l'écoute chez moi tout le temps. Mes enfants même le miment. Mes enfants le miment. Parce qu'il est agréable. C'est un vrai son en fait. C'est une belle chanson. Compresseur, je veux te dire, arrête cette sorcellerie. Au lieu de t'asseoir, critiquer cette dame de Flore, copie, s'il te plaît, copie cette fille. Copie cette fille. Est-ce que tu as vu comment Flore, elle tient ses soldats, comme elle les appelle? Est-ce que tu as remarqué comment est-ce que Flore tient, je ne vais pas dire dominer, c'est pas le terme, mais comment est-ce qu'elle tient ces gens? Est-ce que tu as remarqué la façon avec laquelle Flore a géré le problème qui se passe entre elle et le Marie Larose? Est-ce que tu as remarqué comment est-ce que Flore tient sa troupe? Mais toi, parce qu'on t'envoie 20 euros par-ci, manche, 20 euros par-là, tu es faible, tu dis que tu es une fille de caractère, je suis désolée, tu n'es pas une fille de caractère. Tu es tellement faible, voilà pourquoi tout pour toi, un pas, tu veux bagarrer, deux pas, tu veux bagarrer. Parce qu'en fait, tu n'as pas d'autre argument. La bagarre, c'est tout ce que tu as. C'est tout ce que tu as. C'est tout ce que tu as en fait, la bagarre. Arrête ta sorcellerie. Arrête tes faux profils. Apprends à taper la main sur la table. Cesse de vivre aux dépens de tes faux profils. Et même si un faux profil te donne 100 francs, par exemple, ça ne veut pas dire que quand cette personne dit ce qui n'est pas à sa place, tu ne dois pas lui dire, oh non, arrête, ne dis pas ça. Non. Je vais te dire un truc, sincèrement, moi, je commence à apprécier Flore. Oh oui, je l'apprécie, parce que cette fille, vraiment, si j'avais la moitié de son caractère, je serais plus loin qu'aujourd'hui. Je serais plus loin qu'aujourd'hui si j'avais la moitié du caractère de cette fille de Flore. Tu as ouvert ta bouche un jour pour dire on ne te domine pas. Mais compresseur, si tu es en face de Flore, elle te domine. Tu l'as attrapée quelque part à Paris, tu es venue derrière faire ton cinéma. Tu l'as attrapée dans un bar, je pense c'était où là. Au lieu de taper comme tu as gueulé, tu viens, tu arraches son téléphone. Parce que quoi? C'est son téléphone qui t'intéresse. Au lieu de venir donner une raclée et puis directement on en parle plus, tu te mets à arracher son téléphone, tu te mets à faire des bêtises. Parce que tu sais qu'avant de commencer, quelqu'un viendra séparer. Tu te rappelles lors de la réconciliation entre Flore et cette fille-là, Michelle, qui est là? Tu te rappelles? Tu as voulu prendre la parole. Flore a dit, hey, calme-toi, c'est moi la reine-mère, je parle d'abord. Tu t'es tue. Tu te rappelles? Tu te rappelles? Tu t'es tue comme un enfant. Tu n'as pas parlé. La deuxième fois où tu as pu la voir en face, c'était lors de la fête de Messan. Qu'est-ce que tu as fait avec la haine que tu as pour cette fille? Parce que oui, tu as la haine. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pu te mettre bas la terre à ses pieds pour danser. Je ne sais pas trop ce que tu dansais. J'ai eu honte, moi qui te soutenais à ce temps-là. J'ai eu honte. J'ai dit, mais cette fille-ci même, c'est la paix, la paix, la paix de quoi? La paix de quoi? Ça, c'est ce que je me disais en ce temps-là. Mais tu es faible devant Flore.
Flore, c'est une fille qui a plein de caractère. Elle a tellement de caractère, tellement de caractère. Tellement de caractère, tu ne peux pas te comparer à Flore. Je suis désolée, tu ne peux pas te comparer à Flore. Et s'il te plaît, n'essaye même pas. Moi, je préfère que tu n'essayes même plus. Parce que sincèrement, laisse-moi te dire, écoute ça de la bouche d'une fille qui était derrière toi. Je te dis seulement physiquement, non ma chérie, tu ne donnes pas. On est en commentaire, on te dit, tu es la plus belle, tu es ceci, tu es cela. Mais c'est parce qu'il faut t'entretenir. C'est parce qu'on veut que tu nous fasses le sale travail demain. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on va te dire, compresseur, arrête de nous parler de beauté, tu es moche, tu n'es pas belle comme femme, juste ferme-la et puis fais ce qu'on te demande de faire. Non. Il faut bien qu'on t'entretienne. Il faut bien qu'on te mette sur un piédestal. Il faut bien qu'on te dise, ben voilà, tu es ci, tu es ça. Mais arrête, s'il te plaît. Tu vas aller pas à pas. Physiquement, tu es nul. Ce corps que tu appelles corps de Beckham, ma chérie, regarde bien autour de nous, dans Facebook, là. Toutes les filles qui font, toutes les filles qui ont un corps qui fait rêver. Toutes les filles qui ont un corps qui fait rêver. Ne te ressemble pas. On parle de peut-être Joel Brown, qui a un corps, même si le bistouri est dépassé par là, elle a un corps qui fait rêver. On parle de Nathalie Coa, qui a un corps qui fait rêver. On parle de Coco Emilia, qui a un corps qui fait rêver. On parle de, c'est pas trop, c'est la toile là. Mais toi, tu ne ressembles à rien. Tu ne ressembles à rien comme ça. Arrête de dire que tu es belle. Oui, j'ai écrit maintes fois, oui, tu es la plus belle, oui, tu es ci, tu es ça. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Tu voulais que je te dise, oh, compresseur, tais-toi, t'es pas belle? Non, je vais pas le dire. Je vais pas te dire. Je vais te faire croire ce que tu veux entendre. Compresseur, tu ne ressembles à rien, je suis désolée. Regarde seulement, ok, je vais te prendre l'exemple d'une fille qui est maigre. Parce qu'il faut pas qu'on dise que toutes les filles maigres sont laides, non. Il faut qu'on parle d'une fille qui est maigre sur la toile. Carole Abena. Regarde Carole Abena. Regarde à quoi elle ressemble. Carole Abena, elle est belle. Elle a un beau visage. Elle a un beau corps. Elle est élégante. Elle sait s'habiller. Elle a du charisme, cette fille. Elle a du charisme, cette fille de Carole Abena, avec son petit corps. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que les filles maigres sont laides. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais regarde bien Carole Abena. Et tu te regardes, toi, tu n'as pas d'allure, tu n'as pas de prestance, tu n'as pas d'élégance, tu n'as pas de personnalité, tu n'as rien, tu es fade. Tu es fade, tu ne ressembles à rien, je suis désolée, tu ne ressembles à rien. Je fais cette vidéo pour que ça arrive où ça peut arriver. J'aimerais que ça arrive où ça peut arriver, Congo Saba ou quoi, il faut que tu m'écoutes. Compresseur, tu ne ressembles à rien, s'il te plaît. Ça, écoute ça de ma bouche. Ça, je te le dis. Que Dieu me pardonne si je t'ai fait croire le contraire en commentaire. Tu ne ressembles à rien. Mais regarde. Je vais t'insulter maintenant. Hein. Moi, j'ai créé ce compte, c'est pour t'insulter. Je suis désolée, je l'ai créé tout à l'heure. Ça fait même pas 3 heures de temps que je l'ai créé. Et je vais t'insulter maintenant. Je suis désolée, je vais t'insulter. Parce que tu promets la mort aux gens. Je dis tu, parce que ce sont tes faux profils qui le font. Et puis, tu ne les arrêtes pas. Tu as vu la vidéo de Flore tout à l'heure? Comment est-ce qu'elle demande, elle supplie ces guerriers là de se calmer? Tu as vu? Est-ce que tu as vu? Non? Ça, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas prendre note de ça. Tu vas venir insulter une fille qui fait le même métier que toi, mais en plus bien, et qui sait comment utiliser son argent. C'est tout ce que tu sais faire, insulter. Quand tu as commencé au début, tu étais en voiture, tu roulais chaque matin. Oh, je vais au travail, je vais au travail. Je me demandais, mais cette fille, elle travaille quoi avec les ongles aussi longs tout le temps? Qu'est-ce qu'elle travaille? Je veux savoir. Qu'est-ce qu'elle travaille? Donc, quand ta cousine, on a tous vu, ta cousine a vendu la mèche que tu faisais la pute avec ta mère. Oui, tu fais la pute avec ta mère. J'ai voulu douter au départ, mais maintenant je confirme. Je confirme avec beaucoup de tout ce que pour toi, ce n'est pas un souci, je le confirme. Mais pour ta mère, je le confirme maintenant. Quand je vois beaucoup de comportements, je le confirme. Parce que
Tu ne peux pas me dire que tu appelles ta mère. Tu appelles ta mère en direct pour dire « Maman, n'est-ce pas, je bagarrais quand j'étais enceinte, mon chien patati ?» Une mère digne de ce nom, une vraie maman, n'aurait pas répondu comme ça. Ça, c'est une maman de la rue, ça, c'est une maman qui a fait la pute. Oui, ça, c'est une femme de petite moralité. Elle répond « Oui, tu as bagarré parce que tu as suivi l'autre à Yaoundé. Tu as suivi l'autre, tu te rappelles, non? Tu as suivi même l'autre, et machin, et tout, et tout, et tout. » Elle est fière de ça. Je vais te dire comment ma mère, moi, aurait répondu. Ma mère aurait dit, « Hey, Lou, allez, quitte là-bas. Ne pose pas des questions comme ça. Allez, quitte. Allez, dégage. » Ma mère, elle aurait dit ça. Mais ta mère, elle était tellement fière de répondre à cette question, au point où elle a donné des détails qu'on n'a pas demandé. Elle a dit comment tu n'as pas de trompe. J'ai eu honte, encore une fois. J'ai eu honte. J'ai dit, oh là là, mon Dieu, quelle honte. Oh là là, cette femme. J'ai eu la honte de ma vie. Ça, c'est une fausse maman. Oui, c'est une maman qui n'a pas de valeur. J'ai eu honte, compresseur. Aujourd'hui, dis-moi, tu as tapé ces filles-là quand tu étais enceinte. Tu as perdu l'enfant et puis tu as perdu les trompes. Dis-moi, qui a tapé qui aujourd'hui quand tu fais un feedback? Quand tu fais un feedback, qui a tapé qui? Ces filles avec qui tu as bagarré, quand tu vas au pays, elles sont où? Peut-être elles sont dans le foyer. Peut-être elles sont, c'est pas trop avec leurs enfants. Mais toi, où tu en es? Trop de bagarres. On t'a enlevé les trompes. Trop de bagarres. On t'a enlevé les trompes. Alors, qui a tapé qui? Réponds à cette question. Ce sont elles qui t'ont tapé ce jour. Ce n'est pas toi qui as tapé ces filles. Parce que tu as perdu tes trompes. Alors, elles t'ont tapé. Ok? Tu devrais avoir honte de faire intervenir ta maman dans les bêtises tout le temps. Tu devrais avoir honte, compresseur. Tu es venu sur la toile, tu as dit, tu combats la nudité. Quelle nudité tu vas combattre quand toi-même, compresseur, tu te présentais à nous avec des culottes, des cache-culs, c'est ce qu'on dit en français, je pense. Des culottes, on voit carrément les débuts de tes fesses. Soit disant, tu veux nous montrer, c'est pas trop ce que tu veux nous prouver, les entrejambes. Mon Dieu, qu'est-ce que tu veux prouver aux gens? Quelle nudité tu peux combattre? Quand tu as accepté dans ta team Lolo Fondia qui montrait les mêmes seins que Flore, quelle nudité tu veux combattre? Quand une dame, comme une maman, comme Marie, machin là, la romancière là. Quelle nudité tu veux combattre quand la romancière prend une pause avec les jambes écartées, elle met sur Facebook et toi tu viens en vidéo, tu dis, Amof, tu es belle ma mère, tu es belle. Pour finir, tu combats quoi? Pour finir, tu combats quoi? Quel est ce que tu vas combattre chez Flore? Tu vas dire, Flore crie, insulte tout le temps, mais tu as accepté dans ta team Lolo Fondia qui insulte, qui termine. Lolo Fondia, elle déterre carrément les morts. Elle déterre carrément les morts. Elle crie comme il n'est pas permis. Mais tu l'as accepté dans ta team alors que tu soi-disant, tu veux combattre Flore. Mais Lolo Fondia est plus vulgaire que Flore, je suis désolée. Je n'ai rien contre Lolo, hein. J'aime bien Lolo, mais je dis à sa façon de parler. Je dis à sa manière de parler. Lolo Fondia est plus vulgaire que Flore. Je ne parle pas d'autre chose. Je dis l'agressivité de ses propos, en fait. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est le thème. L'agressivité de ses propos. Qu'est-ce que tu combats chez Flore? Dans ta team, tu fais pire. Tu montres tes cuisses, tu mets un caleçon, tu vas... Mais attends un peu, compresseur. Arrête de te comparer aux gens. Arrête de faire croire aux filles dans ta team que les filles costaudes sont moins belles que les filles minces.
Ou alors que les filles minces sont automatiquement plus belles que les filles costauds. Je suis désolée. Est-ce que tu as même vu de quoi est constituée ta team? Tu as même vu à quoi ressemble, comment on l'appelle celle-là, de la fille qui nous a souillé là avec les garnitures et tout et tout et tout là? Tu as vu à quoi elle ressemble? Voilà ce qu'on appelle une grosse vache. Elle là, elle est grosse, laide, sale. Ça, comme ça, c'est elle. Ok? Elle là, comme ça, oui. C'est elle qu'on peut appeler grosse vache. Parce que sincèrement, à part les insultes que je faisais, sincèrement, Fleur de Lys, c'est une belle femme. Que Dieu m'excuse. Ben oui. À part les injures et autres et tout que je faisais, Fleur de Lys, c'est une belle femme. Au fond de moi, j'ai toujours reconnu que Fleur de Lys est une belle femme. Je suis désolée. Je dis le contraire parce qu'au début, j'ai été fâchée à cause d'un ou de deux trucs. Et puis, j'ai voulu suivre mes quotas. J'ai voulu suivre. Et puis, le suivisme m'a entraîné dans votre sorcellerie. Ou carrément, votre maman prie pour qu'on retrouve Flore morte. Ou carrément, vous faites des plans pour y aller Flore et tout, et tout, et tout. Non, je suis allée très loin, mon Dieu. Je suis allée très loin et je demande pardon à Flore. Je demande à Flore de me pardonner. Mon nom, c'est Françoise. Je demande à Flore de me pardonner. Vraiment de Dieu. De me pardonner pour les insultes que j'ai pu donner ou quoi que ce soit. Non, je ne vais plus le faire. J'ai créé ce compte. Tout ce que je vais faire, c'est insulter Compressor. Parce qu'elle le mérite. Sa sorcellerie va très loin. Compressor, je veux que tu apprennes à être une femme. Que tu apprennes à assumer tes actes. J'ai horreur quand tu prends, quand tu ouvres ta bouche, tu te fais passer pour la victime en disant jamais, c'est quoi? Toujours combattu, jamais abattu. Tu es celle qui combat. Personne ne te combat, compresseur. Parce que là, sur la toile, tu ne vaux personne. Même Lolo Fodja, tu ne la vaux pas. Elle qui est arrivée hier, tu ne la vaux pas et en rien. Ok? Tu ne la vaux pas, carrément. Tu ne vaux pas Lolo Fondia. Tu ne sais pas qui est-ce que tu vaux dans cette team, dans ce Facebook, amen. Tu ne sais pas qui est-ce que tu vaux. Tu ne vaux personne. Tu es toujours en train d'aller suivre la boisson. Toujours en train d'aller suivre où il y a à boire, manger, commander. Toujours en train de... Voilà pourquoi tu dépends des gens. Voilà pourquoi carrément un faux profil appelle dans ton direct pour dire ceci. On a cotisé pour... Et en passant, j'ai cotisé pour l'orphelinat. J'ai cotisé pour le pays. Pour la prison, les prisonniers. J'ai cotisé pour comment on appelle, l'orphelinat. Je ne regrette pas. S'il y a à cotiser prochainement, je vais le faire. Quand c'est les bonnes actes, quand c'est les bonnes actions, je peux participer. Dans la mesure du possible. Oui. Mais là, avec les promesses de mort que tes faux profils font et tu es incapable de prendre la main, de taper la main sur la table, les ramener à l'ordre, je dis non. Celle qui s'est levée dernièrement, la Gloria, pour insulter la veuve joyeuse. On va dire, c'est pas de la faute de Compressor. Est-ce que Compressor a insulté la veuve joyeuse? Oui, Compressor a insulté la veuve joyeuse. Parce que Compressor est venu a accepté l'invitation en direct de cette fille où elle insultait la veuve joyeuse. Ça veut dire que c'est Compressor qui insulte la veuve joyeuse. Compressor est incapable de dire non. Compressor est incapable de dire non, ne dis pas ça. Un peu comme Flore fait là. Mais qui peut monter sur la tête de Flore parmi ses faux profils? Tu en as vu quelqu'un qui peut appeler et diriger le débat? Oh, mais dis donc, cette fille. Je dis, si j'avais la moitié c'est même trop, le quart du caractère de cette fille, je serais plus loin. Et si seulement cette fille de Flore pouvait imaginer la chance qu'elle a d'avoir ce caractère, elle serait plus loin aussi. Dommage qu'elle ne le réalise pas. Mais toi, compresseur, tu es là, tu passes ton temps à parler Flore de Lys. Flore de Lys, elle va t'entraîner dans un tourbillon terrible, cette fille. Elle va te rendre folle. Tu vas te rendre que après 10 ans, tu seras toujours placé dans cette chaise, dans ta minuscule chambre,
en train de parler d'elle. Pendant que elle, elle aura des choses à, elle aura réalisé ces choses. Elle aura, même si on va dire pute, 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 j'ai réalisé que vous êtes toutes des putes. Toi-même, tu es une pute. Ta maman est une pute. Et c'est pas faux, c'est vrai. Vous êtes toutes, t'as dit, je vais même dire, elle est même mieux parce que, voilà, à un moment donné, elle s'assume. Quand je suivais cette fille chez le Warman au début, elle donnait de bons commentaires, elle donnait de bons conseils. Quand sa copine l'a exposée, tu sais ce que les commentaires disaient? Oh ben, cette fille dont elle nous parlait comme ça, elle donnait les grands conseils comme ça alors que c'est une pute. Juste pour dire, elle n'est pas venue sur la toile et exposer sa vie, voilà. Non, elle est venue sur la toile avec de bons sentiments. Quand elle s'est sentie attaquée, elle a disjoncté. Elle s'est mise à cracher du feu. Voilà. Elle a touché quelqu'un qui est proche à ma grande sœur à Paris. Et voilà comment directement, on s'est mise là, à vouloir insulter, mais sans comprendre le fond, mais avec du recul. J'ai compris. J'ai compris que ça ne servait à rien. Même ma sœur qui a été directement affectée n'a jamais soutenu compresseur. Elle nous a toujours dit non, laissez tomber. Flore de Lille n'est pas mauvaise. Moi, je vois ça comme de la magie. Je dis oh non, elle a insulté Tata, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais avec le temps, j'ai compris que Flore de Lille n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Mais toi, je ne dirais pas que tu es mauvaise parce que je ne te connais pas dans la vraie vie. Mais la seule chose que je peux dire et que je peux témoigner, j'insiste dessus, c'est que ta haine pour Flore est tellement grande. Tu ne vois rien d'autre que Flore. Tout ce qui passe à côté de Flore, tu veux détruire. Une fois, tu as dit, vous ne voyez pas que tous ces gens qui viennent à côté de moi, on veut... Non, c'est nous qui faisions ce travail. Marie Larose, qui est venue à côté de Flore, on a voulu détruire. Combien de fois... Bref, je ne vais pas dire ce que j'ai eu à faire dans ton groupe. Mini Minor, il a commencé à prendre le parti de Flore. Quand tu t'attaques à Flore d'une façon physique, parce que Mini Minor, il était sur la toile, il faisait rire, il imitait tout le monde, les parodies, mais il se déclare pédagogiste. Quand tu agresses Flore à Paris, voilà comment il prend carrément le parti de Flore. Ah ben oui, il prend carrément le parti de Flore. Non, je ne veux pas dire, Didier, je suis désolée. Je ne veux pas dire des choses qui vont... voilà quoi, j'ai très mal quand je pense à ça. Je ne vais pas dire ce que j'ai eu à faire dans ce groupe. Je n'ai pas besoin de dire, mais voilà, je n'ai pas vraiment besoin de dire. Ce n'est pas important. Mais je regrette tout ce que j'ai eu à faire. Je regrette ce que j'ai eu à faire. Je pensais que je luttais pour une cause juste. Je ne pensais même pas, j'étais aveuglée en fait, la colère. Flore, dans ses débuts, a eu insulté une de mes grandes sœurs, une amie à ma sœur, à Paris. Et puis voilà, quoi, on s'est senti un peu blessé. Surtout moi, par rapport à... Hein, je me suis sentie directement parce que cette grande sœur est celle qui a monté mon dossier pour que j'arrive en Europe. Donc, je suis un peu proche d'elle par rapport à ma sœur et ma sœur jumelle. Par rapport à ma grande sœur et ma sœur jumelle. Donc, voilà. J'ai été très blessée et puis je suis tombée sur Flore aveuglément. Tout ce que Flore faisait, je ne vois pas. Même si au fond de moi, mon cœur me dit, ben, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu fais. En fait, j'avais la rage, j'avais la haine. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Et c'est fini parce que j'ai accumulé, j'ai plié le doigt plusieurs fois. Alors je dis, c'est fini. Je suis sortie du groupe Messenger. Déjà une fois, j'ai plié le doigt. Quand je suis sortie du groupe Messenger, c'est parce que j'en pouvais plus de voir, de lire autant de méchanceté. J'ai quitté ce groupe. Compresseur se met en ligne. Elle ne peut pas copier les autres. Elle permet aux gens d'insulter à toi à travers. Dis du n'importe quoi. Moi, à un moment, j'étais fatiguée. J'ai dit non, je ne peux plus faire ça. Ça noircit mon cœur. Ma vie était sombre. Je passais toute la journée, je me réveille le matin, je pense à Flore, je rumine le nom de Flore. Je me fâche, j'imagine ce que je vais lui dire, la nouvelle insulte que je vais donner. À midi, c'est Flore et tout. Je vais profiter pour dire à Compresseur, mais attends, quand tu dis, tu rêves de Flore, viens te tourmenter. Mais c'est normal. Toute la journée, on rumine le nom de cette fille dans nos ventres. C'est normal que quand on ferme les yeux pour dormir,
Notre inconscient remonte, refait surface. Et ça balaie toutes les idées qu'on a eues en journée. C'est normal. C'est normal qu'on dort, qu'on ferme les yeux, on rêve de fleurs et le matin on dit c'est une sorcière. Non! C'est parce que notre cœur est noir. Parce que nos idées sont noires. Nos pensées sont noires. Alors quand on ferme les yeux, voilà l'inconscient, le côté on dit ça? L'inconscience qui domine. Ah.